Quand arrive la période de Noël, chaque année, chez moi, c'est l'effervescence. J'attends cette période avec impatience parce que je sais que je vais pouvoir enfin décorer mon jardin. Et je vous avoue que j'y prends du plaisir. C'est un vrai bonheur de pouvoir décorer ce petit bout de terre de façon à ce que, je vous avoue aussi que je le fais pour que les gens puissent passer et voir. Donc, quand les enfants passent dans mon jardin, je vois leur visage émerveillé, leur sourire. Alors, je peux vous dire que c'est du bonheur. Alors, je ne rate pas l'occasion à Noël de décorer mon jardin. Aux nuits de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits. J'avoue que tout cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Alors, c'est minutieusement pensé, réfléchi. Où vais-je mettre cette guirlande? Où vais-je pouvoir mettre ce petit bout de ceci, de cela? Et je peux vous dire que ça prend du temps. Alors, je passe des nuits blanches à me dire, je vais mettre comme ça. Non, ça ne va pas. Je vais mettre comme ci, ça ne va pas. Enfin, je trouve une solution qui me fait plaisir. Et puis, voilà, je place mes sujets. Cette année, j'ai voulu mettre mon puits en valeur d'une autre manière. Donc, j'y ai mis une cascade d'eau. Vous pouvez voir qu'il y a de l'eau qui sort d'un pot et qui tombe sur ma pelouse. J'ai aussi mis mes animaux en valeur, mes cerfs, mon petit renne et puis ma belle dame qui est dans le bout là-bas, qui tient sous son bras un pichet d'où s'écoule l'eau. J'aime ça, c'est du bonheur.